se réveiller en sursaut ou en douceur, se frotter les yeux, se lever, aller à la salle de bain, se regarder dans le miroir, se déshabiller, se laver, se doucher, se sécher, se brosser les dents, se brosser les cheveux, se sécher, se parfumer, s'habiller, se coiffer, se maquiller, se chausser. Ici, je vous ai donné une petite liste d'actions qu'on fait normalement le matin. Bien évidemment, je vous ai donné le verbe à l'infinitif. Remarquez que la plupart d'entre eux s'agit de verbes pronominaux, c'est-à-dire qu'il y a le « se » ou « s » apostrophe avant le verbe. Ainsi, quand on l'utilise, quand on les conjugue, il faut utiliser les pronoms réfléchis après les pronoms personnels. Par exemple, « se réveiller »,« je me réveille »,« mon mari se réveille », »,« mes parents se réveillent ». Un exemple dans une phrase. Le matin, je me réveille à 6h15 du matin. Je me frotte les yeux et je me lève. Vous avez remarqué que j'ai utilisé plusieurs verbes pour former une phrase complète. Ensuite, ne vous inquiétez pas, je vous présenterai la partie 3 de ma routine. Et à la fin, je vous donnerai un texte complet. Pour l'instant, essayez de vous habituer à ces verbes et de former des petites phrases pour qu'après, on puisse formuler un texte ensemble.